Édition spéciale de 25e image depuis la plage du pavillon du Québec pour ce premier week-end du Festival de Cannes. Je vous propose une promenade du nord au sud, de la France à l'Espagne, en allant du sujet le plus grave aux films les plus légers. Alors en numéro 1, nous verrons le retour d'Arnaud Desplechin pour la 4e fois en compétition, avec un nœud familial situé dans une étouffante maison bourgeoise de Roubaix. Tu ne m'aimes toujours pas, hein ? Je ne t'ai jamais aimé. Moi non plus. En numéro 2, nous ferons un petit voyage dans les Pyrénées en compagnie des frères Larieux pour un film déjanté, loufoque, où Azéma et Daroussin font des folies de leur corps, vous verrez. Sans mon cœur qui bat. Et en 3, eh bien, nous verrons comment l'air de Barcelone a rendu ivre de bonheur et fouetté la création du génial Woody Allen, qui signe un quadrille catalan sur l'amour le plus drôle et aussi le plus osé qu'il ait jamais tourné jusqu'à ce jour. I wanted to know who was really sharing the bed of my ex-husband. Alors commençons par l'entrée attendue en compétition de la France avec le nouveau film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël. Son film se passe à Roubaix, sa ville natale, et pour ceux qui connaissent bien l'œuvre de ce cinéaste brillant, fils spirituel de la Nouvelle Vague, eh bien il apparaît un peu comme la suite de La Vie des Morts, qui était son premier moyen-métrage sorti en 91, qui se passait déjà dans le Nord et qui racontait comment une famille se réunissait après le suicide de l'un des siens. Nous sommes chez les Vuillards, un clan qui a été marqué par la maladie, le deuil, la perte d'un nouveau-né en raison d'une maladie rare, et ce clan a éclaté sous la lourdeur des drames. Les fêtes de Noël sont donc l'occasion de réunir des frères, des sœurs, des parents qui ne se parlaient plus depuis des lustres. Et autour du sapin, des relations vont reprendre ou au contraire exploser au gré des jours et des humeurs. Je vous laisse regarder tout de suite quelques images d'un conte de Noël. Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et... Cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. C'est quoi ? C'est des pétards. Oh, mon bébé. Elisabeth a pris quelle chambre ? La chambre du haut. Elisabeth, ma petite sœur, lève-toi, il est 4 heures. Déjà. Elle est où ta femme ? Ta mère. Il ne veut jamais m'appeler sa mère. Non. C'est moi qui ai un cancer. Ça, je le sais. Desplechin est un vrai cinéaste, un grand directeur d'acteurs, mais c'est aussi un littéraire. Sa narration s'apparente à celle des grands romanciers de Balzac à Joyce, sans oublier Shakespeare ou la mythologie. Il y a ici des personnages qui s'appellent Dédalus, Faunia ou Junon. Ce n'est pas par hasard s'il y a ces références, car les liens du sang sont souvent le cœur des grandes tragédies. Et le film est découpé en chapitres, avec des thèmes, des dates, exactement comme dans un livre. Autre élément fort chez Desplechin, le poids des corps, de la chair, de la maladie. On se souvient par exemple de la formidable scène de l'autopsie dans La Sentinelle. Ici, tout tourne autour d'un probable cancer de la mère, qui est joué par Catherine Deneuve, et de la nécessité d'une greffe de moelle osseuse avec un donneur compatible, seul moyen de limiter l'éventualité de la maladie qui pèse sur le clan comme une malédiction. Tu vois, chère mère, il n'y a que moi sur qui tu puisses vraiment compter. Desplechin a écrit son film après avoir lu un livre sur la greffe, un essai entre psychanalyse et biologie. Bien sûr, ce sont des personnes qui ne s'entendent pas, qui doivent échanger des morceaux de leur corps. Et les scènes entre Deneuve et Mathieu Amalric, la mère et le fils, sont extraordinaires. Fouiller les chairs, les deuils, les déchirures, pour mieux pénétrer les âmes, tel est le pari que Desplechin réussit dans une œuvre complexe, touffue, où ce conte de Noël vient boucler une veine provinciale. La pathologie comme métaphore du fonctionnement des familles, et aussi le cinéma de Desplechin comme une famille d'acteurs fidèles. Si Catherine Deneuve y fait son entrée avec Chiara Mastroianni, sa fille, qui a deux ou trois scènes absolument sublimes de sensualité, les autres sont des permanents, comme Mathieu Amalric, Emmanuel Devos, Hippolyte Girardot, ou Jean-Paul Roussillon, ou Melville Poupeau. Anne Consigny, elle, hérite d'un rôle phare, celui d'Elisabeth, la femme artiste qui a banni son frère. Je vous propose un autre extrait de ce film plein de pépites magnifiques, peut-être pas le meilleur Desplechin selon moi, mais un grand film, puissant et lourd, sur le thème de « Que se passe-t-il quand tout le monde dit sa vérité aux autres ?» Je ne veux plus voir mon frère, et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. J'ai pas été une très bonne mère. Hein. Non. J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés. Mais que vous êtes bizarre dans ta famille.
Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia? Moi, vous m'aimez bien. Pourquoi? Vous me prenez celui que je n'aime pas. Bon, maintenant que ça fait 5 ans, dis-moi ce qui s'est passé. Pour qu'Elisabeth te déteste à ce point. J'ai jamais compris, rien vu venir. Tu peux duper le reste de la famille, pas moi. Elisabeth, tu as un vrai problème relationnel. Que même avec... Ferme ta gueule, je suis là. Oui, je sais, mais toi tu comptes pas. Et j'arrive... Un conte de Noël sortira en salle mercredi prochain, 21 mai. Alors nettement plus léger maintenant, le nouveau film des frères Larieux qui nous avait présenté à Cannes il y a 3 ans, Peindre ou faire l'amour, un essai sur le désir dans les couples et qui reviennent à la quinzaine des réalisateurs avec Le Voyage aux Pyrénées, dont les comédiens sont Sabine Azéma et Jean-Pierre Darroussin. Donnez-moi directement votre numéro, j'ai une excellente mémoire, c'est mon métier. Ah oui, vous avez raison. 06 07 08 09 10. 06, 07, 08, 09, 10. Il joue deux acteurs connus qui vont se cacher quelques jours dans les Pyrénées pour se reposer. Aurore est atteinte de nymphomanie chronique et son mari veut la mettre à l'abri des tentations au milieu d'une nature sauvage que les Larieux connaissent bien puisqu'ils sont natifs de Lourdes. Et voilà que le contraire arrive, que ce soit le couple d'aubergistes très libre ou que ce soit un ours dans la montagne, puis des moines échappés d'un couvent, eh bien c'est le règne de l'animalité et de la sexualité qui l'emporte. Il fallait oser filmer Sabine Azéma courant nue dans la montagne, hurler entre les pattes d'un ours dans une cabane, de plaisir autant que de peur, et la surprise finale qui repose sur un postulat d'échange des sexes entre l'homme et la femme. C'est une farce lubrique et comique où l'on passe de la pudeur à l'impudeur en permanence, avec deux comédiens qui ont suffisamment de talent pour jouer des scènes très improbables, mais fort réjouissantes. Le Voyage aux Pyrénées sortira le 9 juillet prochain. En voici un extrait. J'adore ce que vous faites. J'ai vu tous vos films. Merci, c'est gentil. Mais nous souhaitons passer quelques jours de vacances incognito. Aurore, on a lu André Dussolier. Oh. En vacances ou... En vacances. Pourquoi les Pyrénées? Depuis quelques semaines, ma femme est en proie à d'intenses crises de nymphomanie. Olivier, c'est ça? Pardon? Et j'ai pensé que les Pyrénées étaient la destination idéale pour mettre Aurore à l'abri de toutes ces tentations. Tu crois que je fais une crise de puberté? Non, allez, plus sérieusement, Aurore. C'est dans les régions les moins peuplées que les vraies rencontres ont lieu. C'est le Colosseum de la nature, c'est le cirque de Gavarnie. Victor Hugo. Cette excursion est ridicule, Alexandre. Les ours pyrénéens n'ont jamais attaqué donc. Celui-là, il est russe. Nous ne vous voulons aucun mal, et vous? Il ne comprend pas le français. Scusati, madame Noulé. Au secours! Allô? C'est sûr que la rencontre avec l'ours est un événement marquant. Il s'ensuit une grande émotion. Ténissois, la faune et la flore qui partagent ses aurores. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Je parle tibétain. Et puis, Woody Allen est arrivé pour enchanter notre journée de samedi avec la première mondiale de son nouvel opus qui s'appelle Vicky Cristina Barcelona. Vicky et Cristina sont deux jeunes américaines qui arrivent en vacances chez une amie en Espagne. La brune Cristina va bientôt se ranger et se marier, tandis que la pulpeuse Vicky explore encore les voies de l'amour avec avidité. La rencontre avec un beau peintre catalan va déclencher des torrents de désirs et faire exploser la libido de tout le monde, même des plus raisonnables, jusqu'au jour où l'ombrageuse épouse du séducteur revient sans prévenir chez son ex-mari. What? Who knew what I would find there? How could I be sure you were not going to hurt me? After all, I have thoughts of killing you. Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Javier Bardem et Rebecca Hall interprète ce ballet libertin sur le choc du puritanisme américain et de la sensualité espagnole avec une drôlerie et un charme inouï. Woody Allen a mis beaucoup de souvenirs personnels, il connaît bien le sujet, dans cette peinture de couple en crise permanente, mais personne n'oubliera la scène de la chambre noire et de la lumière rouge, du développement des photos où Penelope et Scarlett tombent dans les bras l'une de l'autre. Grâce à l'alibi de l'art, tout devient possible, nous dit ce diable de Woody, qui signe ici son hymne à l'amour le plus parfait et le plus audacieux dans la lumière dorée de l'Espagne au son des guitares. Les nuits sont très chaudes dans ce film sensuel et hilarant, écrit, réalisé et joué en état de grâce.
voici les toutes premières images de Vicky Cristina Barcelona, un très grand Woody Allen. Look, I'm not free. I'm committed. You know what my theory is, and when I drink, I get brutally frank. I think that you're still hurting from the failure of your marriage to marry Elena, and you're trying to lose yourself in empty sex. Empty sex? Do you have such a low opinion of yourself? You're just saying that it has to have meaning for her, that's all. I mean, the city's romantic. The night is warm and balmy. We are alive. Isn't that meaning enough? Hey, look, I just came along to keep Cristina company. I'm engaged to be married. I have a handsome, lovely fiancé who I make love with and also holds a very real place in my heart. And to be perfectly frank, Juan Antonio, if I were the type of person that played around, I don't think it's in the cards for us. So, I'm tired, I haven't slept in 24 hours, and that is exactly what I'm going to do. And you? I'll go to your room, but you have to seduce me. Alors que dire pour terminer, parmi les potins en attendant demain et le choc Indiana Jones, eh bien que Cannes organise son premier tournoi de poker caritatif avec entre autres Denis Hopper, Salma Hayek, Tim Robbins, mais aussi la blonde actrice française Alice Taglioni qui adore le jeu comme on peut le voir dans son dernier film Cash. Le tournoi se déroulera sur une terrasse du Palm Beach avec $1 million mis sur la table et le gagnant reversera les gains à l'œuvre de son choix. Voilà pour les coulisses, à lundi pour une nouvelle chronique cannoise. Salut et bon week-end à tous.